comme cela se fait depuis des années, avec la remise des intrants agricoles aux paysans du département du Kunki, région de l'Ouest. Comme cela s'est toujours produit avec la construction des points d'eau potable, équipés de pompes à motricité humaine à usage communautaire, l'on vient une fois encore de célébrer à la place des fêtes de Banjoun l'excellence scolaire et académique. Celui-ci, on va le suivre honorable jusqu'à l'obtention de son professorat. Et ici, le 1 des 1, bravo champion. Des primes ont été remises aux bacheliers ayant obtenu au moins la mention assez bien au cours de l'année scolaire écoulée. Au total, 122 bacheliers de toute la région de l'Ouest, dont 87 du Kunki, ont été honorés dans le cadre de cette manifestation publique présidée par le gouverneur Awa Fonk Augustine. Le gouverneur qui avait à ses côtés pour rehausser l'image de cette activité du député Albert Kouintje, le président du Conseil régional de l'Ouest, Jules Hilaire Foka-Foka, les parlementaires, notamment les sénateurs Emmanuel Chatué et Françoise Pouéné, les enseignants et autres forces vives du Kunki. La tradition perpétuée ici consiste où l'élu de la nation a encouragé les efforts à récompenser chaque année les élèves dont le rendement scolaire sort du lot. Pour faire différent, cette 12e édition de la cérémonie consacrant l'excellence scolaire et académique, deux prix spéciaux du nom de Victor Foto, l'homme d'affaires ancien maire de la commune de Pété Banjoun de regrettée mémoire, ont été remis respectivement au major du département du Kunki et au premier des bacheliers de toute la région de l'Ouest. Mon nom c'est Sadou Kamga Jonas Ivan. Je suis vraiment très content aujourd'hui parce que j'ai toujours vu mes grands frères recevoir ce prix en tant que spectateur. Et cette fois-ci, je suis vraiment acteur et pas qu'un peu acteur majeur. Du coup, ça, c'est vraiment une grande récompense. Et j'aimerais dire à l'honorable de continuer dans cette lancée, à nous encourager pour que nous aussi, nous puissions être un jour assis à côté de ces élites, de ces donateurs qui donnent, qui priment l'excellence dans cette région. Je me sens très bien, je suis tellement contente d'avoir obtenu ma bourse scolaire, ce que j'ai beaucoup cherché. Et je dis un grand merci, un merci soutenu à l'honorable Kunchi Albert pour cette bourse. Et j'encourage mes frères, mes petits frères, davantage à continuer à travailler, à mener le même effort que moi j'ai pu mener pour obtenir cette bourse. Je me sens très bien, je me sens joyeux. Cette journée m'a rendu vraiment heureux. En fait, je promets de travailler toujours très dur pour obtenir ce genre d'opportunité. Et je remercie l'honorable Albert Kunche pour ce merveilleux cadeau qu'il nous a fait. Extrait. L'initiative du député vise à lutter contre la délinquance juvénile et à mettre en pratique la politique du gouvernement en matière d'éducation. Il faut encourager les élèves dont les performances scolaires sont au-dessus de la mêlée. Et il faut aussi encourager les encadreurs pour leur accompagnement. Le promoteur a donc remis des prix aux meilleurs établissements et honoré 8 délégués départementaux, les enseignants du secondaire et le délégué régional. Tous ces maillons concourent à pérenniser l'activité parlementaire qui vise en quelque sorte à stimuler le dépassement de soi chez les élèves. Oui, c'est un message de quoi ? De travail, qu'ils continuent de travailler. Parce que le baccalauréat, c'est une étape, c'est un saut vers l'enseignement supérieur. C'est quand ils continuent dans cette lancée. Et nous sommes sûrs que demain, et le pays aura besoin d'eux, ce sera des grands hommes qui seront utile pour le développement de ce pays. À Banjoun, on le croit fermement,
L'émergence du Cameroun dont parlent les autorités publiques à l'horizon 2035 repose, entre autres, sur une jeunesse bien formée et responsable. Dans les journaux, vous allez voir ma chorale, il va vous parler de tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça a été constant et consistant depuis 12 années d'expression de générosité envers la jeunesse et les élèves de cet département. Et cette générosité est allée au-delà de ce département. Donc nous sommes en train d'expresser notre gratitude envers l'honorable Quincy Habert en lui disant d'aller de l'avant dans cet élan de soutenir la jeunesse camerounaise et de soutenir cette jeune pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. La fourchette des primes cette année varie entre 60 000 et 175 000 francs CFA. Derrière cette activité, il faut voir à la fin la valorisation de l'excellence scolaire et académique pour le bien du Cameroun de demain.